Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de notre carrière suivie sur Farming Simulator 2017. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Allez, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? J'étais en train donc de traiter ce champ-ci. Donc même si il a sur le principe été déjà traité au niveau du semis. Ce qu'on peut faire, c'est remonter un petit peu, voilà, ça va pas trop dans la culture. J'ai enlevé le mode qui permettait d'écraser les cultures parce que ça fait un peu couillon. Malgré que j'ai appris que lorsqu'on a un tracteur à roue fine, celui-ci n'écrase pas les cultures malgré qu'on ait justement ce mode. Bref, donc on est toujours également en train de moissonner le champ qu'on a en face, qui est le champ numéro 12. C'était l'ouvrier A qui est en train de me faire ça. Et j'ai loué tout simplement, hop, c'est ça qu'on va aller faire ensuite. On va aller presser, on va commencer à stocker nos balles rondes. Hop, allez, c'est parti. On va stocker nos balles rondes, même si ça a été traité lors du semis. Le fait de repasser un coup d'engrais là, écoutez, j'ai l'impression que ça fonce quand même le terrain. Donc ça veut dire que ça traite quand même. Donc ce que je fais n'est peut-être pas inutile parce que j'ai pensé après coup, je dis mais... Mais je crois qu'il faut, de toute façon on a mis 3 coups d'engrais donc pour avoir un rendement optimal. Donc là on en a mis que finalement 2 à l'arrivée. Puisque j'ai fait pousser et mauvaise habitude de Farming 15 de ne pas traiter les cultures. Voilà, donc tant pis pour moi, on verra bien ce que ça donne. On a été relativement bien rémunéré pour le précédent voyage donc de soja qu'on a récolté. Il faudrait d'ailleurs, tiens, qu'on mette pourquoi pas... est-ce que je vais mettre un autre ouvrier après le déchômage? Ouais, peut-être, on va peut-être pas attendre, on va mettre un ouvrier au niveau du déchômage sur le champ qu'on a récolté précédemment. Bref, après on va aller presser, je vous ai dit, donc j'ai pris la petite cune, c'est un mode. On va voir si ça fonctionne, donc j'espère, parce que sinon je vais me fail en direct. Je n'ai pas du tout essayé, c'est pas un mode d'origine du jeu. Enfin, c'est pas un mode, c'est pas un matériel d'origine du jeu, on va dire ça comme ça. Allez, là on est plutôt bien. Toc. Ah oui, mais c'est ce qu'on va faire même d'ailleurs, c'est qu'on va... On va passer un coup de charrue, on va même pas déchaumer le champ là, on va passer un coup de charrue. Est-ce que la charrue est dans le coin là? Lui, on va lui laisser ça au cul pour l'instant. La charrue est ici, on va récupérer l'autre 1455. Donc pareil, cette vidéo là, même principe, elle est tournée. Eh ben c'est parfait ça. Elle est tournée avant que vous ayez eu pu me donner votre retour. Toc, voilà, ça c'est bien. Sur le changement de matériel, donc voilà, pour la cinquième vidéo, j'aurai eu tout simplement vos retours de la deuxième. ça le fait, ça va très vite, là j'ai le temps d'en tourner un petit peu, donc j'en profite. Et donc on changera, donc soit pour, c'est celui-ci d'ailleurs qu'on changera, par un T6 ou par le Valtra série N. Allez hop, on attelle la charrue, c'est bon, il la décolle. On va se faire le trip de se mettre les gyrophares, on est en transfert. On va aller directement le placer, on va mettre l'ouvrier, l'autre a dû prendre un petit peu d'avance. Par contre, je me rends compte que je n'ai pas ramené la presse finalement. Allez, on va se placer là. Et on va mettre l'ouvrier, il se démerde. Allez, là c'est bien, 87%, ah ça a l'air... On va peut-être faire deux trémies complètes. Donc finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser celui-ci, ramener la benne avec l'autre, on va aller chercher... Ok, bon, on va faire comme ça. Tac, on va laisser ça ici. Et on va aller chercher la benne, parce qu'on a l'air marron. On n'a qu'une seule benne pour l'instant. J'avais pris une benne un peu plus grande, mais j'ai pas gardé l'autre. Voilà, hop. Non, bah non, on reste en bas, alors. Reste en bas, ça me va bien. Et c'est parti. Allez, direction le magasin. Vous commencez à connaître la route, que ce soit sur mes vidéos ou que ce soit sur les vidéos de mes collègues youtubeurs. Allez, on se fait en vue intérieure. Ça change un petit peu. Voilà, avec les beaux rétros qui vont bien, plus ou moins bien réglés. Voilà, on a une bonne vue. Je pourrais couper là-haut, mais franchement, j'y pense jamais. Je pense toujours à prendre la route, mais pas à couper par le chemin. Vous savez, couper en haut par la droite, là, derrière le chemin qu'on avait moissonné dans la précédente vidéo. Bref. Parlant du magasin, pareil, petit reproche. Dans la vidéo précédente, je vous expliquais que je trouvais que les points de vente, et certains points de vente, en tout cas, celui où on a été, la Green Edge, Ridge Acre, je sais pas quoi, là, Gomez Ridge Acre. C'était un peu bécasson, c'était quand même pas terrible. C'était pas énorme. Le magasin, je sais pas ce que vous en pensez vous également, mais le magasin il fait pas rêver non plus. Hein. On est dans un espèce de centre commercial là. Je
trouve que celui de FS15, voire même celui de FS13, était beaucoup plus joli, ressemblait plus à une concession de matériel agricole qu'on a sur le 17. Ouais, là, ils se sont pas foulés la rate non plus. Voilà, toujours des petits reproches qu'on découvre au fur et à mesure. Bon, le gameplay est bien, hein, c'est pas, je ne critique pas le gameplay, etc. Mais voilà. Après, ça reste mon avis et je suis là aussi pour vous donner mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire également ce que vous en pensez. Mais je trouve que le concessionnaire, en tout cas, ne ressemble pas à un concessionnaire du tout. Hein. Ça pourrait être un cinéma ou une friterie, ça serait exactement la même chose. Ça ressemble pas à un concessionnaire, voilà. Donc j'espère que dans les maps modées qu'on aura, on aura de vrais concessionnaires de matériel agricole, parce que pour l'instant c'est quand même pas top top. Voilà, on arrive dans un espèce de centre commercial, il y a la banque, il y a le restaurant, il y a le truc des jeux d'arcade, et puis bah, au bout là-bas, planté là, bah, ça ressemble pas à grand chose, hein, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avant il y avait carrément un hall, etc. Bon, bref, c'est comme ça. Ouais, allez, on y va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Ben, on sera obligé de se faire ça en deux fois, puisque. En tout cas, au moment où je regarde cette vidéo. Enfin, que je tourne cette vidéo-là, me semble-t-il qu'il n'est pas encore sorti le mode Follow Me. Donc, ben, peut-être qu'il sera sorti plus tard. On va commencer déjà, peut-être, à presser. Cette fois-ci, on va couper par ici. On viendra chercher la benne juste après. C'est vrai que là, le mode Follow Me m'aurait bien servi. Ça évite quand même de faire. Deux voyages pour rien. Mais bon, tant pis. Bel ensemble, vous trouvez là, bleu, rouge, Kuhn, New Holland. La salissure est très très bien faite par contre. La salissure est très très bien faite, ça je trouve. Donc ça c'est plutôt cool. Alors normalement, ouais, c'est après le pont qu'on tourne à gauche. Et là on devrait être pas mal. Hop, la descente est finie, on revient sur le plat. Boum, il remet un grand coup de gaz, mon ami là. Allez, tip top, on passe par là. Donc très 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 joli, toujours autant de plaisir à jouer comme d'habitude, et franchement j'ai pas mal de commentaires qui disent putain moi je vais avoir le jeu dans quelques temps, je vais l'avoir pour Noël, etc. Comment je vais faire? Je suis en train de me ronger les ongles, je suis en train de me bouffer les doigts, et ouais c'est vrai que pas de chance pour vous franchement de devoir regarder des vidéos comme ça et de pas pouvoir en profiter du jeu, en tout cas ça doit être très très dur et je compatis avec vous. Moi qui n'avais pas le jeu et qui l'ai eu seulement à la sortie officielle, soit le 25, franchement déjà je me bouffais les doigts. Alors celui qui doit attendre encore 2 mois, bah, franchement bon courage à vous. Bref, allez on y va. On va voir ce que ça va donner là, ce pressage. J'en ai aucune idée. Donc là, le Jeannot il est en train de tourner. Ça se passe plutôt bien. Hop, on fera un petit coup, un coup de travers. Là je reprendrai les fourrières, tout bête. Ça bosse, ça bosse. Et l'autre, a priori, il doit être plein, j'imagine, parce que. Ouais, il a l'air planté là-bas. Pas de chance, il s'est planté dans l'autre sens. Alors, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ça a l'air d'être parti. Ça a l'air de ramasser. Alors, mini micro-andin. Donc, pareil que quand on utilise des plus grosses machines, on a de plus gros andins. Donc, on va voir. Par contre, il est hyper régulier. Il n'y a pas, vous savez, des fois, c'est un petit décrochage. On ne sait pas pourquoi. Alors là, ils sont d'un régulier tip top. Donc, ça sonne. Ça fait comme dans le 15. Jusqu'ici, tout va bien. Par contre, ça sonne plus tôt, il me semble. Hein. Ça va sonner à partir de 70%. Même si c'est 90. Hop, voilà. Alors, est-ce que la touche est toujours le haut? Non, pas forcément. Alors, qu'est-ce que décharger la presse? C'est le Y. Bon, et bien, écoutez, on décharge avec le Y. À quoi ressemble la balle? Par contre, elle va se barrer, c'est sûr. Voilà. Allez, on y retourne. J'aimerais bien que tu t'arrêtes, par contre. Allez, on est bon. Elle a l'air de s'être arrêtée. Ouais, elle a l'air de s'être arrêtée. Le champ est un petit peu en pente. Ça, c'est un peu couillon pour moi, mais bon, pas le choix. On fait avec. On va récupérer ça parce que ça c'est vrai que l'ouvrier nous fait des petits bouts de paille là. On sait pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est pareil. Elle a l'air de s'être arrêtée, elle file pas. Hein. Non, ça a l'air d'être bien. Ouais, ça commence à 70%, hein, vous avez vu. Donc c'est vrai que ça prévient un petit peu plus en avance. Il me semble-t-il que sur le 15 c'était 90%. Hein. Voilà, impeccable. Donc c'est toujours le Y. Par contre, celle-là, elle va se barrer loin, j'imagine. Non. Ah bah non, on reste sur place. Oh bah c'est magique. Impeccable, c'est moi qui avais dû la pousser ou lui donner de l'élan, j'en sais rien. Donc il y a autant de pentes et pourtant elle n'a pas bougé. Bref, c'est très bien, c'est tant mieux pour moi.
On y retourne, on continue. Donc on en a déjà fait deux, une par rondin. Donc finalement, on commence à en avoir pas mal. Et puis au prochain épisode, il y en a pas mal. Au prochain épisode, donc entre celui-ci et le prochain, donc je travaillerai bien évidemment, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais donc j'aurai prévu et j'aurai acheté le nouveau matos. Ah, si c'était impeccable, j'allais dire, je suis arrêté à 99. J'aurai acheté le nouveau matos, voilà, et puis on commencera pourquoi pas éventuellement. C'est marrant parce que là, dans ce sens-là, elle descend. Bon, on va pas chercher à comprendre. On verra bien, on la retrouvera je sais pas où exactement, mais bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, opération pressage avec la cune. Cune quoi alors? Cune Progressive Density VB2190. Bien, super. Elle filoche ou elle filoche pas? On verra bien. Là, on devrait en faire une deuxième avant la fin de l'andin. Les coups de frein, on entend bien les coups de frein. Franchement, c'est bien fait. Les bruitages, par contre, là, ils se sont pas loupés. C'est vraiment bien fait. Allez, on y retourne. On les met, on continue, on filoche. Qu'est-ce qu'elle dit? Celle-là, ça en va, elle s'en va pas. J'ai même pas fait gaffe. Pas bien vu le mouvement. Celle-ci a l'air d'être arrêtée. Donc, ça, c'est bien pour moi. L'autre, par contre, a l'air de filocher. Alors, avec un peu de chance, elle rentre dedans. Elle pousse la suivante. Là, regardez. Allez, on verra bien. Non, à mon avis, elle est peut-être décalée un peu trop. Par contre, là, elle est en train de prendre de l'élan. Hein. Je sais pas où on va les retrouver. Elle a le petit coup de frein, là, qui va bien. Hein. Bah, c'est pas le haut. Je suis con à chaque fois. Les réflexes du 15, encore. Et encore, moi, je suis au clavier. Hein. Je vous ai dit, j'étais en train d'apprendre à jouer à la manette. Mais franchement, là, j'ai pas eu le temps, donc... Pour éviter d'avoir à chercher les touches à droite, à gauche, etc. Là, je suis au clavier, j'ai mes habitudes. Et encore, quoique, vous pouvez le constater, hein, pour vider, c'est I et pas. Pour ouvrir, c'est plus haut, c'est Y, etc., etc. Bon, c'est comme ça, on est obligé de faire avec. En même temps, on peut reconfigurer les touches, hein, si toutefois ça ne nous... Alors, regardez, elle va bientôt toucher, là, ou elle va toucher. Et est-ce que ça va l'arrêter, ou est-ce que ça va faire débarrouler la deuxième? Grande question. Hop! Eh non, à chaque fois, je vais me toucher le haut. Non, c'est bien, c'est arrêté contre, par contre. Allez, on y va, on y retourne, tranquillou. On va aller, par contre, ouais, non, ça l'a arrêté, c'est bien. Celle-là, par contre, elle est partie aussi. Oh, c'est chiant, ça. C'est chiant. Ça serait bien que ces machines-là, alors, c'est peut-être pas pratique et c'est peut-être irréalisable, c'est peut-être n'importe quoi ce que je raconte, mais et que ça les couche sur le flanc, en fait. Comme ça, on serait tranquille, il n'y aurait pas de rouler, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Elle sort de la machine, il y a un petit bras ou un petit coup sur le côté et boum! Ça la couche sur le flanc et pas emmerdée. Surtout qu'elle est passée juste à côté. Oh putain! Regardez ce qu'elle faisait l'autre. C'est marrant parce que dans ce sens-là, elle bouge pas. Pas chercher, c'est pas bien grave. Allez, une fois qu'on arrive au sommet de cet andin, on va chercher donc la remorque. Celle-ci, je pense qu'on va la retrouver sur la route, mais bon, c'est pas grave. On va chercher la remorque, comme ça on peut vider la moisse batte. Et puis comme ça, Michel peut continuer à bosser. Tranquillou. Hop. Allez, impeccable. Cette fois-ci, j'ai touché le Y plutôt que le O, c'est mieux. Ça commence à rentrer. Alors ce qu'on va faire, on va juste ramasser ça, on va la désactiver, on va relever le pick-up et on va laisser le tracteur ici. Voilà, allez, lui il travaille, c'est bien. On démarre. On démarre avec les gyros, on aurait pu démarrer sans les gyros, ça tire sur la batterie. On va rapidement retourner sur le lieu de travail. Mais les maisons sont bien faites, hein. Moi j'aime beaucoup, hein. Franchement j'aime beaucoup. Il y a quand même des trucs qui clochent, mais bon voilà, après on va pas non plus faire les chiants et les difficiles. Mais j'aime quand même beaucoup, honnêtement. Puis là franchement la carte est fluide. La carte est fluide, fluide, fluide. Bon moi je fais des vidéos en 30 fps, hein, pas en 60. Mais là sincèrement comme ça, là c'est 60 fps constant avec la capture, donc franchement... Il n'y a rien à dire, c'était là. On va profiter, on va tourner, c'est après le pont, il faut qu'on s'en souvienne.
Moi, je commence à avoir quand même quelques heures de jeu. Bon, j'ai pas non plus saigné le jeu. Là, je suis pas en vacances perso, je suis au boulot toute la journée. Après, il y a les enfants à s'occuper, etc. Donc, on peut jouer un peu le soir. Les vidéos, je les tourne entre midi et deux. Là, comme ici, par exemple, hein, il est 1h30. Parfois, il y a une petite remontée du repas. Vous m'en excuserez, bien évidemment. C'est vrai qu'après, c'est un petit peu plus fluide dans la conduite avec la manette. C'est pour ça, parce que là, quand je tourne, pardon. Vous avez les roues qui mettent des à-coups, et ça, je trouve ça sur le principe très bon. Voilà, par contre, ça c'est un. Alors, je sais pas si on peut vendre ici, mais ça c'est un peu plus joli par contre. Vous voyez. Bah, là, c'est la gare. Peut-être pas vendre d'ailleurs, mais voilà, c'est quand même un peu plus joli, un peu moins dégueulasse. Allez, on va tasser un peu la terre là. Ça va nous la décompacter après. Là, c'est poussé ou pas encore. Bah, non, décidément, ça veut pas avancer. Bon, ça on verra par la suite, c'est pas très grave en soi. Là, on est bueno. Alors. Ah ben elle s'est arrêtée sur une autre, j'ai l'impression là-bas, non? Je vois qu'il y en a deux à coller l'une à l'autre. Ouais, impeccable. Bon, ben, c'est déjà pas mal. Alors ce qu'on va simplement faire, c'est se placer ici. On va être tranquille. On va venir là. On va désengager l'ouvrier. Sortir la bouse. La buse, bien évidemment, vous aurez bien compris. Et c'est vrai que quand ça on roule sur ce tas de paille là-bas, l'andin, ça fait travailler les suspensions, en tout cas les essieux des engins. Donc c'est pas tout plat, c'est pas tout lisse. Plutôt bien vu Giant de ce côté-là. Allez, là on est bon. Et puis après, tout simplement, on le remet au boulot. On se reprend encore un ou deux andins. Je sais pas s'il va prendre assez d'avance. Voilà. Et puis après, on ira la rendre déjà la machine. Puisque pour l'instant, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai rendu. Ça me coûte que 3000. Donc c'est pas si mal que ça pour un premier stockage. Et on ira les stocker. Donc il faut que j'investisse après dans un bâtis de fourche pour qu'on ait un engin pour manœuvrer un petit peu tout ça. Allez, hop, on peut revenir là. On est bien, on va réactiver tout ça. Et qu'on puisse tout bêtement transporter, puisque pour l'instant on n'a pas de plateau automatique, bien évidemment. Donc transporter tout ça et aller mettre ça aux vaches. Allez, hop, on laisse faire. Alors lui, par contre, on va le couper. Décidément, des bruits de moteur partout. On va switcher, avec un peu de chance, on arrive là. C'est bon, ok, on va se replacer. C'est pareil, on va encore le garder un petit moment parce que j'aime beaucoup ce tracteur là. Sympa, simple, sobre, efficace. Et franchement, pour presser par exemple, en tout cas pour traîner ce rond de balle là, il n'y a absolument aucun souci. Ça suffit amplement. Alors ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci, c'est simplement de reculer un coup et de la foutre dans le travers. Est-ce que je veux dire? Voilà, on va faire comme ça. Ça normalement elle devrait pas se barrer. Hey, malin hein, malinx le lynx hein, comme on dit hein. Bref, voilà, je pense que j'ai rien inventé, mais voilà, comme ça moi ça évite que ça se barre, et ça évite que j'ai à courir après tout bêtement. Est-ce que je vais le gêner là? Bon, il s'en fout. Ah, c'est la gonzesse, vous avez vu, c'est la gonzesse avec le bandana sur la tête, ce que je vous expliquais la dernière fois tout bêtement. Est-ce que ça va faire là? Ouais, ça a fait à moitié. Ça a fait à moitié. Je vais la rattraper par contre. Hein. Hop là, hop 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 hop. Arrête, arrête. Je me plante de touche comme un con. Voilà, reste calme. Il n'y a pas de souci. Ça va le faire. J'espère qu'elle va pas se barrer là-bas au milieu du champ. Non, dans ce sens-là, il n'y a aucun souci. Hein. Étonnant, étonnant, étonnant. Mais bon, c'est comme ça. Pourquoi pas? Dans un sens, ça descend. Dans l'autre, ça descend pas. C'est pas bien grave. Allez, on est bien là. On va simplement faire comme ça. Par contre, non, mauvaise idée de faire comme ça. Parce que je sais pas du tout où on va en être. Je voulais tout simplement faire un petit screen. Mais là, avec ta déco, ça pourrait. On sait pas où on en est. Et re, les amis, excusez-moi, petit coup de téléphone. Petit coup de téléphone qui tombe mal quand on est en vidéo. Forcément, je gênais, donc résultat des courses, ça ne l'arrivait pas à passer. Elle n'a pas voulu abîmer le vieux matériel, lol.
Donc voilà, bref, écoutez, on termine ce dernier rondin. On va jusqu'en bas, on va simplement remettre ça. Voilà, on est bien. Et puis comme ça, on sera plutôt pas mal. Là, on a quand même quelques balles. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec celle-ci. On va peut-être en faire 12 pour avoir un nombre pair et qu'on soit plutôt pas emmerdé. Et après, pourquoi pas le reste, je sais pas. Soit je le ramasserai. Alors, on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire se foutre comme ça. Voilà, comme ça. Elle n'ira pas bien loin. Et après, peut-être ramasser, pourquoi pas en vrac, je sais pas. Je sais pas, est-ce que je vais tout presser ou est-ce que je presse tout? Peut-être pas tout presser cette fois-ci parce que après, ça va faire. Sur le 15, c'était la merde quand on mettait trop de bottes ou trop de balles de paille stockées. Je trouvais qu'il y avait du mal, en tout cas. Bon, après, on va voir. On va déjà terminer là-dessus. On va juste ramasser les petites tâches. Parler de ça, de tâches de paille ici. Et puis on va se laisser là pour ce nouvel épisode de la série, donc Gold Crest Valley Carrière No Cheat pardon, sur FS17. Et bien écoutez les amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à liker, le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Me suivre effectivement et liker la page Facebook, toujours plein d'informations, des photos, etc. De l'info. Et puis vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye!